Le CETERI et le gouvernement de la transition à nouveau ensemble pour tabler au-delà des 40 premières dispositions de la future loi fondamentale examinée récemment. Après les amendements de l'Assemblée constituante, cette phase se présente comme l'ultime étape dans le processus d'élaboration et d'adoption de ce projet qui sous-tend la refondation de l'État et la restauration des institutions conformément aux aspirations du peuple gabonais sollicitées au cours du dialogue national inclusif. Ce séminaire conjoint CETERI, gouvernement de la transition, présidé par le chef de l'État, a permis de souligner que la Constitution est le reflet du peuple. C'est également ces échanges que nous attendons ici, pour que lorsque nous sortons d'ici, c'est quelque chose qui a été adopté, amendé, par le plus grand nombre que nous sommes ici, qu'on ne puisse pas dire « c'est la Constitution d'Oligui ». Il s'est abrogé tous les pouvoirs. Non. Mettons ensemble quelque chose pour les Gabonais et le Gabon de demain. Même au plus profond de nous, c'est la République qui compte et c'est le Gabon qui gagne. Rigueur et responsabilité ont dirigé cette rencontre qui a réuni les différents acteurs, CETERI, gouvernement et parlement, autour de ce projet de texte de près de 200 articles qui constitue une nouvelle page de l'histoire de notre pays. L'objectif pour nous, c'est de finaliser parce que vous aurez constaté que pour ce groupe de travail, nous avons autour de la table les principaux acteurs concernés. Donc le CETERI, le gouvernement, le Parlement, et entre tout ce monde, il y a le Comité national constitutif qui a proposé le premier projet. Donc, tous ceux qui ont élaboré étant là, qui ont réexaminé étant là, nous constatons que l'exercice était important de faire. Et donc, en réalité, nous pouvons aller au bout du texte en fin de journée, sinon d'ici le soir. 180 articles minutieusement examinés afin d'aboutir à la mouture finale qui sera soumise en Conseil de ministres avant le scrutin référendaire. À l'issue de ce séminaire conjoint, nous en saurons un peu plus sur les avancées.